Ça a choqué, je crois, la totalité des députés, en tout cas l'immense majorité. Un ministre n'a pas à demander une commission des conflits pour un député, quoi. Ça a choqué, je crois, la totalité des députés, en tout cas l'immense majorité. Un ministre n'a pas à demander une commission des conflits pour un député. Qui se parle, qui se voit, effectivement, peut-être que les mots de l'un et de l'autre ont dépassé leurs pensées, donc il faut qu'ils se voient. Mais un ministre n'a pas à demander ou à sommer qu'une commission des conflits se réunisse pour sortir un député de la majorité. Ça, c'est inadmissible. Quand une polémique sur un sujet aussi crucial, qui intéresse beaucoup les Français, se développe, il est urgent d'y mettre fin. Je souhaite que Aurélien Taché et Jean-Michel Blanquer se parlent. Nous faisons partie tous de la même famille politique. Ils doivent discuter ensemble du sujet qui les a opposés pendant 24 heures. Et que cette polémique prenne fin, je soutiens parfaitement l'initiative qu'a prise Stanislas Guérini au nom du mouvement d'organiser le contact entre les deux hommes pour qu'ils s'expliquent. Les propos d'Aurélien Taché aussi ont dû sans doute dépasser sa pensée. Et voilà. Nous nous faisons du tort, et deux, nous faisons du tort aux Français. Les Français attendent de leurs responsables politiques qu'ils se saisissent de ce genre de sujet, mais qu'ils le fassent de manière responsable. La polémique n'est pas responsable.